Y a plus de son. Ah oui, merde. Ah, ah. Ah, non, il faut pas, il fallait pas. Merde, dégage, 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 dégage de ma vie. Non, là. C'est bon, on est bien. On a juste fait de la merde. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette session de Neverwinter Night avec le chapitre 2. Oui, il est là, enfin. Oh, j'ai une érection. Ça y est, le chapitre 2, je mets la map, s'il vous plaît, monsieur, voilà. Je fouille les coffres. Donc, la dernière fois, fin du chapitre 1, fin de chapitre incroyable, incroyable, avec tellement de rebondissements, de révélations, de vengeance aussi. Mais là je veux savoir ce qui se passe, donc on va parler à cet homme. Alors, allons-y. Oui, je m'en fous. Bienvenue à Porlias. Alors, j'espère que vous trouvez bien. Je m'appelle Lara et d'Amalé de Fauva. Alors, c'est un du balai. J'aime bien le du balai. Paf, revers de la main. Laisse-moi vous dire à quel point je. Ta gueule. Je sais qui vient. Alors, Arangien dans la pièce voisine. Ça y est, il y en a qui va mourir, je sens. Ok. Est-ce que tu peux te casser maintenant? Alors, voyons voir. La porte. Waouh, c'était lent. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Écoutez-moi. J'ai des informations très importantes à vous dévoiler. Comme il est bon de vous voir à Porlast, mon ami. Ouais. Je suis certaine qu'avec vous, nous avons. Oui. J'ignore ce que l'on vous a dit concernant les ordres du Seigneur Nacher. Et je vous aiderai à comprendre de quoi il retourne chaque fois que je le pourrai. Ouais, d'ailleurs, c'est quoi les ordres? Vous savez bien sûr que Tester et Fentik étaient liés à un culte. Nous ouais. Ignorons presque tout de ce culte. Ouais. Le Seigneur Nacher nous demande de trouver cool. La base de cette secte. Ok. Haringen, le maître espion du... Okay. Il est possible que le culte se cache derrière certaines de ses activités. Ce qui nous permettrait... Ne ressentiriez-vous pas la même chose? Je suis restée passive alors qu'on exécutait mon amour. Et ce maudit culte demeure invisible, à l'abri de ma colère. Ouais, mais si ton mec est en partie responsable de ce qui s'est passé, ce qui lui est arrivé est juste. Je souhaite de tout mon cœur que les alliés de Death, oui. En tant que paladine oh, de Tyr, putain. J'ai juré de toujours lutter pour le bien et la justice. Alors. Et pourtant, je ne parviens pas à condamner Fentik. Je suis ah. Persuadée qu'il croyait faire son devoir. Bam. C'est moi qui suis aveugle. Si c'est le cas, quelle est donc cette vérité que je ne vois? C'est persuasion. C'est bam. C'est juste que bam. Le destin de persuasion. Fait être le mien. Qui suis à faire? Le vôtre. Ta gueule. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais douté de ma foi. Peut-être que le chagrin me rend aveugle. Oui, tu dois te reprendre. Que je connaisse la voie à suivre sans que j'en sois pleinement consciente, mais je ne suis plus sûre de rien. Vous ouais. Avez raison. La sécurité de pas d'hiver dépend de voilà. Vous. Mon devoir est on ne peut plus clair. Parlons plutôt de ce que nous avons à faire. Ouais. J'ai des questions. Naturellement. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous allez faire? Veillez à ce que je reconnais. Mmh. Qu'importe. Nous ferons tout ce qui est en notre. Et si j'ai un truc. Les informations que vous découvrez doivent être transmises à Arin et à moi. Ok. T'as des conseils? Je vous conseille d'aller voir Arin Gend. Il devrait. Ok, je veux voir ce qu'il y a dans ce coffre. Oh, des pièces d'or. Alors, c'est lui, Haringen. Haringen. On dirait Fligan, d'ailleurs, moi, j'ai l'impression. Yep. Alors, là, on a un marchand, Kendrak. Il y a un coffre, et ils disent qu'il y a une salle... Une salle qui est là. Ouais, ça rame du fion, je sais pas pourquoi. Ça m'emmerde. Bonjour mon ami. D'après ce que je me suis laissé dire, regardez, les noirs. C'est grâce à vous que la mort hurlante. C'est-à-dire qu'il va mourir. Plus pas... Non, vous avez fait vrai. Preuve de courage et. Mais commençons par le commencement. Je suis. Quelle aide peux-tu m'apporter? Quelle aide peux-tu m'apporter? Terre du Nord. Et c'est plus français. Seulement, j'avais pu prévoir les actes de cette. Au lieu de m'apitoyer sur cet échec, je dois tout faire pour réparer les dégâts. Haribez vous a donné l'endroit où vous deviez chercher. Oui, tu dois m'expliquer. Il ne sera pas aisé de retrouver la secte.
Il est vital de trouver le lieu exact où se cache la secte et de s'assurer je connais une piste possible. Il y a d'étranges histoires concernant quelques cavernes au nord de Port-Lac. Okay. Si ce n'est pas le cas, il y a d'autres pistes à suivre. Cela dit, je pense qu'il sort. Parle-moi de ces cavernes. Les situées au nord. Mais ces derniers mois, on m'a rapporté que ce ne serait que ceci. Avez-vous des questions à me poser, mon ami? Je vais y aller. Portez chance, non, ça c'est la pause. Ça c'est l'espace. Bon, il y a un coffre. Je peux l'ouvrir? S'il te plaît. Allez, ouais. Des billes. Non. Billes hurlantes. Alors, de nombreux objets de ce type ont un jargon forme marteau. Blablabla. Objet de fronde. Je les vendrai, évidemment. Alors, sortons et découvrons cette ville merveilleuse de Forliast. Forliast. Non, c'est débile quand même, en plus. Forliast. Ça n'a aucun rappeur. Calme-toi. Ouah, yeah. Ok, c'est comme super bien. Ouais. Ouah, alors je ne peux pas vouloir moi trouver merde de toi. Ouah. Ok, je vais vous aider. Ouah, mais mec, calme-toi. Ouah, par contre, la map est super grande. Alors, bosquet. Article. Alors, vers la route du nord. Alors, bureau des docks, auberge, dock, celle d'où je suis, maison, chaumière. Là, ça va vers la route du sud. Route de l'est. Ah, le bois de pas d'hiver, je voulais y aller, moi. Ok, donc c'est quand même assez grand. Normalement, là, je devrais aller fouiller la ville pour choper tous les trésors, tout ce que je peux trouver. Cependant, déjà, on va analyser les quêtes. Putain, déjà 3, nom de Dieu. Alors, la route du nord, la femme de Geralt, un jeune homme. Oui, ça, c'est lui. La traque, alors. Alors, la ville de Pas d'hiver a été sauvée. Ah, il me fait affirmer qu'un meilleur... piste qu'elle se trouve au nord. Ok, donc ça va. Et le reste est derrière. Bref, ah voilà. Ah, elle continuera son histoire lorsque je serai de nouveau. Putain, elle est sérieuse quand même. 7000 d'XP, ça va faire long. Ouais, je augmente. Pourquoi j'ai un tel moins 9? Ah non, j'ai mis un moins 1. C'est malus moins 1. Waouh, il va falloir que je rectifie ça. Mais non, mais. Merde, meuf, s'il te plaît, respecte-toi. Bon, j'ai pas directement aller fouiller tout ce que je trouve. Enfin, la ville. Waouh, c'est moche. Ok, alors ça c'est quoi? Verrouillé. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça commence bien. Ah, réussi. Ah ouais. Bon, on va pas insister. Là, il y a une terre meuble, sans doute un mort. Bon, je vais aller au nord. A priori, c'est là que je devrais aller commencer. Notamment pour au moins finir une quête. Oh, ouais. Alors, l'enseigne me dit. Route de Port-Liest. Ok, on va enregistrer la partie. Je vais effacer des saves. Hop, pour au moins libérer un peu de place. La quick save, hop. Et enregistrer. Ouais, non, ça me fait ce même problème à chaque fois. On va sauvegarder. Hop, écraser. Et sauvegarder. Voilà. Ok. Alors, reprenons. Putain, les maps ont l'air immenses quand même. Ah, Geralt, le voilà. Bonjour. Alors, on va faire attention. Vous feriez bien de faire attention sur la route. Alors, oui, en quoi t'as besoin d'aide? Les coins de la région sont pleins de vestiaires, toujours gobelins et d'autres. On a nous fiche pas, mais depuis des patrouilles, je suis en train de mettre. Ça, plus. À
faire, je vais enlever ma femme. Ah bah évidemment. Alors, tu sais, c'est un coup de terrasse, ce moyen, je vois ce qu'il veut faire. Qui arrivait à ta femme? Attends, le soir, gna. Bon, je peux vous aider. Ah. Notre moyen, moi. Bon. Voilà, ils n'ont pas eu la technique de la strat de la save et des portes, évidemment. Ah. Bon. Je m'en occupe dès que possible. Bon, et ben la première quête. Par contre, je vais fouiller ta maison. Je peux fouiller ta maison, s'il te plaît? Non, parce que aventurier, certes, mais voleur avant tout. J'ai un certain standing à respecter, à honorer même, j'ai envie de dire. Bon, bah, je t'ai pris tout mon or. Tu ne m'en voudras pas, j'espère, mais... voilà. Ton or contre ta femme, très franchement. Ah, et aussi, je vais faire quelque chose. Je pense que maintenant, dans tous les chapitres, je vais lire. Enfin, ou alors je vais faire en sorte de noter quelque part les lectures et de pas faire un condensé de lecture à la fin du chapitre, parce que j'ai toujours pas fait pour l'épisode pour le chapitre 1, j'ai dit que je le ferais, mais en regardant les toutes premières vidéos, la qualité est tellement dégueulasse que je peux rien faire. Donc il y aura des livres qui vont sauter, ou alors je vais pas le faire du tout. J'hésite entre le faire et le pas le faire. D'ailleurs, je m'excuse encore une fois pour les qualités merdiques qui étaient les premiers épisodes. Oui, alors, mon curseur qui dégage de la fenêtre de jeu, c'est génial. C'est quoi? Oh, un poulet. Explore un petit peu toute la zone. Des poulets. Là, ça doit être un quartier. Oh, un chien. Comment il est modélisé, le chien? Oh, on n'arrive pas à voir. Ah, je ne pouvais pas aller là. Ok, donc là, c'est... une zone je peux accéder par cette colline. Très bien, alors on va aller là-bas. Putain, par contre la map est extrêmement grande. Je vais la réduire un peu. Oh, une vache. La vache, elle est mignonne, cette vache. Non, merde, la sauvegarde, c'est comment? C'est pas ça. Je ne sais plus mes contrôles. I, non, O, non plus. Ah, j'ai obtenu d'autres trucs. Voilà, trop de quêtes. Alors là, Geralt, la tête de Derkia. Geralt, ok. Qu'est-ce que je cherchais? Je sais plus ce que je cherchais. C'est génial, j'ai Alzheimer en ce moment. Ou Parkinson, je ne sais pas, je confonds les deux. C'est pas drôle d'avoir les deux. La maladie, ce n'est pas drôle, les enfants. Ne vous moquez pas. Bon, là, il y a une colline, il y a des trucs. On explore, il n'y a pas de musique, ça renforce l'ambiance dans laquelle je suis. Tiens, putain, la biche. Vous avez tué la biche. Merde, bande d'enfoirés. Ouais, par contre, là, je vais décéder. Attends, j'attends qu'il m'attaque. Voilà. Quick save. C'est comment déjà pour la save? Je ne sais plus. C'est peut-être F5. Qu'est-il? Ouais, va falloir. Alors, vous allez voir en direct un truc incroyable, la configuration des touches. Alors, voyons voir. Paramètres. Configuration des touches. Alors, jeu. Discussion. Menu rabat. Diverses. C'était G. Ok. Donc là, on va charger la partie. Voilà. Allez, plus vite. Allez. Oh, les chargements qui n'ont pas l'habitude que je sois allé aussi loin dans le jeu. Ah, le chapitre 2, ça fait au moins un bon tiers du jeu. Enfin. Et même 38. Et même couché. La biche est morte. Elle est morte. En vrai, elle est morte. Elle est
morte. Bon, par contre, putain, j'ai pris tellement cher à cause de ces loups. Non, c'est R, voilà. Putain, mais les loups, ils sont vachement pétés dans cette région. Peut-être falloir que j'augmente ma force à un moment. Non, la map, on la réduit un peu. Je peux traverser. Ça m'amène sur une forêt. Ok. Donc là, il n'y a rien d'intéressant. On va continuer de monter. Et on sauvegarde. Ouais, alors. J'entends des loups. J'entends des loups. Il y a une enseigne ici. Alors, est, boîte pas d'hiver, sud, nord, auberge. Ouais. Salut. Un blaireau sanguinaire à peine blessé. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais ta gueule. Qu'est-ce que... Ça sent le monstre. Pour qu'il soit à peine blessé, il faudrait quand même qu'une petite créature pas sympathique du tout lui en ait fichu une grosse. Sanglier. Ah, sanglier sanguinaire, ok. Donc là, j'ai deux sangliers. On va s'attaquer. Quatre sangliers. Ouais, une pierre. Une pierre, les mecs. C'est une pierre. Regardez le détail de la pierre. Alors voyons voir cette gueule de sanglier qui ressemble à un... C'est un cochon en fait. Et alors lui il est flex. Lui il est trop flex. Bon, il bougera pas je pense. Putain mais les sangliers cochons qui me mettent des selles de... Mais touche-les, ils sont au sol putain. Oh. What? What? Quoi? Attends. Il y avait de l'argent dans ce caillou? C'est une blague. C'est une blague. J'ai pas racheté de potion. Je suis trop con. Je suis trop con. J'ai pas racheté de potion. J'ai fait de la merde. Oh, je suis déçu. Ah là là. Ah là 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 là, la faute grave, la faute. Ça va être la chute en permanence de mon héros. Bon, ben voilà. Et il ne laisse rien et c'est tant mieux, je vais me reposer. Putain, mais là, j'ai l'impression que la map est grande alors que je suis au milieu. Enfin milieu de taille à choquant de taille. Mais vu tout ce que j'ai déjà découvert, elle est assez je dirais pas moyenne mais petite quand même. Et franchement de l'or dans les cailloux J'ai mis un truc. Voilà, je l'ai vu. Un gobelin. Des gobelins des... Oh, ils sont mignons. Regardez les gobelins. Des singes. Non, mais des singes. C'est des singes. Bon. C'est connu dans les RPG. Les gobelins, c'est des monstres faibles qui donnent de l'XP facile. Ah, un gobelin d'élite. Mais sérieux? Non, merde, pas toi, lui. Bon, je suis entouré par trois gobelins. Putain, mais vraiment, là? Mais les gobelins, c'est censé être faible et vert. 22, putain. 22 d'XP pour des gobelins. Même pas de drop, putain. Et là, 5.
Ah voilà, là on a le vrai gobelin que j'ai touché, mais voilà, gobelin 5 d'XP. Bon, au moins il y a le stéréotype du tu gagnes que dalle en XP en tuant des gobelins. Bon, par contre, on va bouger un peu pour hop manipuler la chance, tu vois. Bon, là ça me donnait un 5 d'XP aussi. Voilà, bon, ça veut dire que s'il y a des gobelins là. Au-dessus, il y a des gobelins. On va monter un petit peu de la carte. Ah tiens, oh, une grotte. Pas là, ici. Ah, c'est une grotte, ça. Je vais d'abord finir d'explorer. J'irai dans la grotte après. Hein, faisons les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Calmons-nous.